Alléluia. Dis avec moi la chair. La chair est ton pire ennemi. Et je vais te l'expliquer pourquoi. C'est ton pire ennemi. C'est la cinquième colonne dans ta vie. C'est l'ennemi caché qui collabore avec Satan depuis l'intérieur. Et il faut que tu la déloges. Il faut que tu règles ce problème. Sinon, le Fils qui est en toi ne peut pas être manifesté. La gloire de Dieu ne peut pas apparaître. Et tu ne peux pas prospérer dans la vie. Donc, pour suivre Jésus et marcher avec lui, il faut vaincre sa chair. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a dit dans le livre de Luc au chapitre 9, au verset 23, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix. Donc, en d'autres mots, cette histoire de porter la croix, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein? Et qu'il me suive ensuite. Nous, notre problème, c'est qu'on veut suivre Jésus, mais on n'a pas renoncé à nous-mêmes. On veut suivre Jésus, mais on ne veut pas porter la responsabilité de la croix. Et quand tu regardes dans le grec, le mot renoncer vient du grec aparneomai, qui veut dire nier, renier, refuser, affirmer un manque de liaison avec quelque chose d'extérieur. Ça veut dire, je prends la décision de me nier moi-même, de me refuser moi-même, de renier ma propre personne pour suivre Jésus. Et le verbe suivre vient du grec akolutheo, qui veut dire se joindre à lui comme un disciple, devenir ou être un disciple, faire partie de son groupe. Et ceux qui décident de faire partie du groupe de Jésus, et le groupe de Jésus s'appelle la famille de Dieu, l'Église, ils doivent renoncer à la chair. Ils doivent renoncer à eux-mêmes. Personne ne peut faire partie de l'équipe s'il ne s'est pas sanctifié. Jésus-Christ viendra chercher son épouse. Jésus-Christ ne viendra pas chercher des chrétiens qui ont des problèmes et des luttes avec la chair. Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il viendra chercher une épouse sainte, sans tache, ni ride, propre, clean. C'est cette église-là que Jésus-Christ viendra chercher. Voilà pourquoi le jour de l'enlèvement, je souhaite que tu fasses partie du voyage. Si tu ne fais pas partie du voyage, il y a une publicité aux États-Unis qui a tourné pendant pas mal de temps et qui a eu pas mal de des milliers de vues sur YouTube. Et puis, dans cette publicité, en fait, c'était une publicité qui avait été faite par plusieurs églises. Et on voyait un pasteur qui était en train de prêcher, un peu comme je suis en train de prêcher là dans l'église, avec la Bible à la main, tout ça. Et puis, on voit les gens qui sont assis, qui le suivent et tout. Et puis, pendant que le pasteur prêche, il est en train de dire, « Oh non, non, au nom de Jésus !» Et puis, tout d'un coup, on entend « Boum !» Et tout le monde a disparu dans la salle. La Bible tombe par terre, boum, le pasteur aussi a disparu. Et dans la salle, il reste juste 5 personnes qui sont là. Et puis on voit un qui est là. Et puis il se met à jeûner, il se met à pleurer. Parce que lui, il a compris ce qui s'est passé en fait. Les autres sont partis, papa. Tu sais que là, on vient de passer dans la phase des 7 ans de tribulation. Il faut aller te cacher déjà. Ça va être compliqué pour les chrétiens. Parce que c'est la période de la tribulation, là, de l'enlèvement, là. Quand on dit enlèvement là, ça veut dire que le Saint-Esprit pour 7 ans a quitté la terre. Et c'est là où l'ennemi va, il va faire ça dur aux chrétiens qui seront restés. Dis avec moi l'enlèvement. L'enlèvement est réservé pour ceux qui se sanctifient. Si tu meurs avant l'enlèvement, gloire à Dieu, si tu as une vie clean, tu partiras directement au ciel, aller simple, sans billet de retour. Oui, parce que tu sais, il y a les billets retour, il y en a qu'on remet dans l'avion. Hein. Si, il y en a qu'on remet dans l'avion. Ce sont ceux qui disent qu'ils sont partis au ciel, ils ont vu le ciel et puis ils sont revenus. Mais pourquoi ils sont revenus? Il y a une raison pour laquelle ils sont revenus. Peut-être c'est une bonne raison, soi-disant. Et puis bon, ils disent qu'ils sont revenus pour annoncer que le ciel existe bien. On sait déjà que le ciel existe. Ouais, mais Jésus-Christ revient bientôt. Les gars, pourquoi vous êtes revenus? Il y en a qu'on remet dans l'avion. On remet dans l'avion, c'est qu'il y a un problème. Non, mais c'est vrai, il y en a, ils reviennent, et puis ils écrivent des livres, tout ça. J'ai dit, bon,
Vous n'avez jamais vu que les livres des gens qui ont été au ciel et puis qui ont écrit des livres pour décrire le ciel, ça vous ennuie en général? Ça vous donne pas envie de lire ça? Ouais, le ciel est pavé d'or, ouais, mais bon. C'est... En général, quand on va au ciel et qu'on voit le ciel et que Dieu nous demande « Est-ce que tu veux rester ?» Tu dis « Je reste. » C'est tellement magnifique et c'est tellement bien. Donc, l'histoire de dire que tu es revenu, tu n'es pas revenu. On t'a mis dans l'avion et on t'a rapatrié. Parce qu'il y avait quelque chose que tu n'avais pas fait. Il y en a qui disent « Bon, je suis revenu pour annoncer. » Peut-être que toi, ton problème, c'est que tu n'avais pas fini ta mission. Et comme tu es resté toute la vie sur la terre sans accomplir la mission et que Dieu tenait absolument à ce que tu remplisses ton rôle d'évangéliste, bah, il t'a remis dans l'avion, on va annoncer l'évangile. Quand tu auras fini, tu reviendras. Donc, c'est une bonne raison de te rapatrier. Non, mais rassure-toi, ce n'est pas celui qui est dans le péché qui va au ciel et puis on le rapatrie. Non, celui qui est dans le péché, il va en enfer. Mais celui qui est bien, qui est clean, et il meurt d'une crise cardiaque ou de je ne sais pas quoi, et puis il va au ciel, et puis Dieu dit « retourne », c'est qu'il y a quelque chose qui est incomplet, on le renvoie sur terre. Parce que normalement, les enfants, quand ils vont au ciel, la mort, ce n'est pas fait pour mourir et puis tu ressuscites. Non, non, non. Sauf si Jésus-Christ lui-même te ressuscite. Oui? Jésus aimait tellement Lazare qu'il l'a ressuscité. Parce que Lazare, c'était son ami. Ok? Et comme lui-même, il n'était pas encore mort et que c'était son seul ami, son seul pote, il voulait encore que le gars reste encore un peu avec lui. C'est pour ça qu'il l'a ressuscité. Sinon, il était seul. Parce que Lazare était déjà parti de l'autre côté. Lazare sort, mais le gars était déjà parti. Mais vous... Le ciel, là, quand on part, ce n'est pas pour revenir. La Bible dit, Paul est clair, que quand on va revenir, c'est lors de la seconde venue de Jésus-Christ. C'est ce moment-là qu'on va revenir avec le corps glorieux, saint, tout ça. Mais il y en a, ils partent aujourd'hui et puis ils reviennent. Ce n'est pas normal. Vous êtes là où vous êtes émerveillés pour voir, quand vous voyez les gens qui sont revenus. Ils ont été remis dans l'avion. Vous aimez tellement tout spiritualiser. On les a remis dans l'avion. Il a vécu 40 ans sur la terre, Dieu l'avait appelé plusieurs fois, le Saint-Esprit l'avait interpellé, devient évangéliste, entre dans le ministère, va prêcher l'évangile. Il ne fait pas, il meurt, on le renvoie, Dieu lui dit annonce l'évangile et ensuite tu reviens. C'est pour ça qu'il est revenu. C'est pour ça que maintenant il écrit les livres, tout ça. Pourquoi il n'a pas écrit les livres avant de mourir? Par contre, il y a juste une question que je me pose. Ce sont ceux qui vont en enfer, qui vont à l'enfer et qui reviennent. Eux, je ne sais pas comment ils font. Comment on fait pour aller en enfer, pour voir l'enfer, et puis on revient décrire l'enfer aux gens. Alors là, je ne sais pas. Ceux-là, ils sont trop forts. Soit les démons, Allez, j'avance. Amen. Donc, celui qui veut suivre Jésus, il doit renoncer à lui-même. Il doit totalement renoncer. Et se charger de sa croix, ça veut dire quoi? Se charger de sa croix, ça veut dire contenir sa chair. Ne pas collaborer avec le péché. Résister à toutes les tentations qui viendront dans la vie. Et se garder pur pour le Seigneur. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Le péché, d'où est-ce qu'il vient? D'où naît le péché? C'est la première question que je nous pose. Oui, c'est vrai, le péché vient d'Éden, etc. Blablabla, le serpent a tenté la femme et blablabla. Non, ce n'est pas de ça dont je te parle. Je parle de manière pratique aujourd'hui, là. D'où vient le péché? Comment naît le péché dans ta vie? Comment toi qui es un bon chrétien, tu crains le Seigneur, tu lis la parole de Dieu. Et puis... Tu ne sais pas comment tu te retrouves à coucher avec une femme, ou à voler, ou à regarder un film porno, ou à mentir, ou à être en colère tout le temps sans te contrôler. Tu ne sais pas d'où ça vient. Regarde ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 13. Jacques dit quelque chose de très très important. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne disent c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais
Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Tu me suis? La version parole vivante, au verset 14, nous dit, voilà plutôt ce qui se passe lorsque nous sommes tentés. Ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous abattent, nous séduisent et nous entraînent. Les mauvais désirs. Or, le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Amen. On a déjà lu ce passage plusieurs fois. Jacques est en train de nous dire ici une chose. Il est en train de dire que le problème ne vient pas quand nous avons péché. Il dit aussi que le problème ne vient pas quand on est tenté. Car c'est normal d'être tenté. Il dit le problème, c'est quand, et il utilise un mot bien spécifique, amorcé. C'est quand la convoitise est amorcé. Qu'est-ce qu'on amorce en général? On amorce quoi en général? Une bombe. La bombe, quand elle n'est pas amorcée, elle est inoffensive. Si vous prenez une grenade et que vous lancez une grenade qui n'a pas été dégoupillée au milieu de nous, celui qui va paniquer, on va dire, mais pourquoi tu paniques? La grenade n'est pas dégoupillée. Elle va tomber, elle ne va jamais exploser. Le problème, c'est quand on la dégoupille. Quand on dégoupille la grenade, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mécanisme à l'intérieur qui est amorcé. Et en général, les militaires te disent que tant que tu tiens la grenade entre les mains, elle n'explose pas. D'accord? C'est le jour où, c'est au moment où tu la lâches, qu'elle tombe au bout de 3-4 secondes, elle explose. Eh bien, amorcer la convoitise là, c'est dégoupiller la grenade. Ensuite, il dit enfanter le péché ou encore le consommer. C'est quand tu lâches la grenade. Tu vois la petite à la fin du culte. Elle est jolie, elle est belle. Ça, c'est ce qu'il y a de plus normal. Et puis, tout d'un coup, tu ressens quelque chose. Ça, c'est ce que tu ressens là, ça s'appelle la tentation. D'accord? Ça s'appelle la tentation. Le problème, c'est que le mécanisme de dégoupillement, l'amorçage là, de la convoitise là, c'est quand tu quittes de là où tu es et tu pars, tu commences à marcher vers elle. Rien ne t'a dit qu'il fallait vers elle. Mais tu commences à aller vers elle, le mécanisme est déjà enclenché. Quand tu vas ouvrir ta bouche là et que tu vas commencer à lui parler, ça va s'accélérer. Le compte à rebours a commencé. Et puis le jour là, tu te retrouves dans son lit. Tu ne sais pas comment tu as fait. Tu es juste arrivé là. C'est que la boue m'a pété. Donc, le problème n'est pas d'être tenté. La tentation est normale. C'est normal d'être... Même dans l'église, tu seras tenté. Il y en a qui pensent qu'à l'église, tout le monde est saint ou... Même ta propre sœur en Christ. Tu as bien prié le matin. Et puis, ce jour-là, elle s'est super bien maquillée. Quand tu vas la regarder, tu vas être tenté. Mais ta responsabilité... et de ne pas céder à la tentation. Et de ne pas dégoupiller la grenade. De la ranger dans le sac. Enfin, pas dans ton sac. Il dit, les mauvais désirs que nous portons en nous. Pourquoi il précise les mauvais désirs? Parce qu'en fait, il y a de bons désirs. Tu ne me suis pas. Il y a de bons désirs. En fait, le problème n'est pas de désirer. C'est normal et c'est très naturel de désirer quelqu'un. Et je vais t'expliquer ça plus loin, cette histoire de désirer là. C'est normal de désirer. Le problème, c'est la nature de ton désir qui pose problème.
Et si la nature de ton désir est mauvaise, là, ça, c'est pas bon, en général. Donc, c'est pas mauvais d'être tenté. Alléluia. C'est pas mauvais. Je vais t'expliquer. Dis avec moi, on va quelque part. Parce qu'il dit, une fois que tu as cédé, le péché prend naissance. Donc, en fait, les gens disent, oui, nous voyons plein de gens qui nous tentent dans l'église, donc il y a le péché dans l'église. Non, il n'y a pas le péché dans l'église. Il y a le péché dans l'église quand les gens ont amorcé la grenade et que ça a pété. Et que les gens se tirent dessus à tout va dans l'église. Notre responsabilité, c'est de ne pas dégoupiller les grenades et de rester, et d'être responsable jusqu'au bout. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous dans l'église, nous sommes des enfants gâtés avec des kalachnikovs entre les mains. On ne sait pas utiliser les armes et puis on enlève le cran de sécurité et puis on tire à tout va. On ne donne pas une kalachnikov à un enfant. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. La tentation est la principale arme de l'ennemi pour entraîner les enfants de Dieu dans le péché. C'est la principale arme. Donc, Satan sait que tant que tu demeures dans la présence de Dieu, il ne peut pas te toucher. Donc, il va te tenter. Qu'est-ce que la tentation? Dis avec moi la tentation. La tentation vient d'un mot grec qui veut dire simplement tester. Tester. Donc, quand tu es face à une tentation, tu es face à un test. Et tu dois réussir le test de ne pas céder à la tentation. Quand tu cèdes, tu perds le test. Tu échoues au test. Et quand tu échoues au test, il y a une porte qui s'ouvre. L'ennemi entre en disant « Bonjour, mon bien-aimé. » Et quand il entre, là, il peut te frapper. Beaucoup échouent au test et sont frappés. Alléluia. Et quand tu échoues au test, à l'intérieur de la maison, qui ouvre la porte pour que Satan entre? La chair. C'est lui qui vient ouvrir la porte. Et c'est là que tu découvres que la chair n'est pas ton ami. Dis avec moi, la chair n'est pas ma copine. C'est normal d'être tenté car nous vivons dans un monde rempli de tentations. Le danger commence quand nous cédons à la convoitise. Il utilise un mot bien important ici, la convoitise. Alléluia. Le désir est naturel. Le danger commence quand le désir vient de la chair et non de l'esprit. La convoitise est comme un feu. Quand la tentation se présente et que tu commences à ressentir un sentiment d'envie, de désir en toi, c'est un feu qui est en train de s'allumer. Tu sais, quand tu es devant la gazinière et puis tu as l'allumette et puis tu fais « et puis ça ne prend pas. Ça, c'est la tentation. Au bout d'un moment, quand tu fais « et là, ça prend, le feu s'est allumé. OK? Mais quand tu as l'allumette entre les mains, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est le gaz qui est allumé depuis un certain temps, mais tu n'es pas au courant que le gaz, il y a une fuite depuis qu'il est là. Tu n'es pas au courant. Tu es juste venu faire « tu as allumé. » Tu vas ouvrir la gazinière et tu vas mettre l'allumette pour allumer le feu. Et quand tu allumes, ça t'explose en plein visage et toute la maison pète et tous les habitants de la maison pètent aussi. Tu me dis. En fait, beaucoup, ils sont là, ils ont allumé l'allumette et ils disent « je maîtrise ». Je maîtrise. Le problème, c'est que quand il allume là, quand il fait le geste, il a amorcé le processus. Quand il allume et que ça explose et que tous les habitants de la maison, ses enfants, tout le monde meurt, c'est parce qu'il a pas
Il a ignoré l'odeur du gaz. C'est comme ça qu'un papa ou une maman est dans la maison. Il sait que ce qu'il va faire, ce n'est pas bien. Mais il dit, je maîtrise la situation. Mais il ne se rend pas compte que quand il amorce là, le dégoupillement, et qu'il veut allumer le feu là, au bout d'un moment, quand ça pète, il entraîne tout le monde dans son péché avec lui. Alléluia. C'est pour cela que Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Satan, quand tu es là à la fin du culte, vous êtes tous en train d'arriver le matin à 10h au culte. Satan se tient à la porte et il vous regarde tous rentrer. Il regarde, il fait ce garçon-là, quand il prie à l'église, il me dérange. Il est trop rempli d'assurance, ce garçon, quand il prie. Depuis un certain temps, quand il donne le micro, là, les gars, lui, on le cible aujourd'hui. Et là, il regarde tout le monde rentrer. Et quand il voit les gens rentrer, il voit une jeune femme qui a décidé ce jour-là de s'habiller sexy. Et il dit, voilà notre appât. Et à la fin du culte, pendant que tout le monde est en train de se saluer, le petit démon vient comme ça et puis il souffle à l'oreille. Sors par la rangée là-bas, s'il te plaît. Elle avait l'intention de passer par ici. Non, il fait, sors par la rangée là-bas. Elle se dit, c'est une pensée, je vais sortir par là. Elle sort par là. Sauf qu'il dit de sortir par là parce que toi, le garçon est là. Ensuite, quand elle arrive près du garçon, il fait, arrête-toi devant lui. Elle s'arrête devant lui. Elle fait comme si elle ne le connaît pas. Et puis, lui, ses yeux tombent sur elle. Et l'esprit vient, regarde là. Regarde. Regarde. Lui, il ne sait pas que Satan a déjà dévissé la bouteille de gaz. Ça a commencé, l'odeur a commencé à monter. Mais lui, il ne sait pas. Il est là, il regarde la petite. Et il dit à la petite, tourne un peu sur toi-même. Elle tourne. Oh, ma soeur, comment tu vas? Et puis, il regarde. C'est ça qui s'appelle la tentation. Il n'a pas encore dégoupillé la grenade. Donc, lui, quand il la regarde, il y a un désir qui monte. Ce désir qui monte s'appelle la convoitise. Et elle est là, il est là. C'est d'abord un petit feu. Et il dit à la fille encore, tourne encore sur toi. Parle fort, ris, rigole. Quand il entend le rire là, le rire lui plaît. Lui, sa responsabilité en tant qu'homme de Dieu, c'est de détourner le regard et de partir dans une autre direction. Mais il est là. Et il reste là. Et quand l'ennemi voit qu'il reste, il prend son talkie. Les gars, il reste. Il ne bouge pas, les gars, il reste. Les gars, il continue à regarder. Comme Ève qui regarda le fruit et elle vit que le fruit était bon. Quand il regarde tes yeux, parce que Satan, il vit avec l'être humain depuis le jardin d'Éden. Il ne nous connaît pas. Il y a une manière de regarder quelqu'un. Quand il voit le regard, il dit, c'est bon. Il y a une manière de regarder. Et quand tu as regardé, il sait que là, le feu est en train de monter. Le dégoupillement vient quand le frère finalement décide de ne plus aller voir la personne qu'il devait aller voir. Il reste là, il surveille la fille du regard dans la salle. Et puis quand elle est en train de sortir, il va après elle maintenant là. Il la suit jusqu'au portail. Et puis il vient, bonjour, vous allez bien. Il commence à tchatcher avec la fille, etc. Et là, il commence. Ça veut dire que c'est le désir en question de suivre la sœur, c'est pas ça le problème. Paul précise que le problème, c'est le mauvais désir. Parce qu'en fait, son désir ne vient pas de l'esprit. Son désir vient de la chair. Et après, vous entendez quelques semaines après que, pasteur, je fréquente une sœur. Ils n'ont pas encore couché ensemble. Je fréquente une sœur, tout ça. Sauf que toi, quand le frère vient t'annoncer ça, tu regardes la sœur, tu regardes le frère, tu dis, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas être ensemble les deux là. Il y a un problème quelque part. Ça, ce n'est pas inspiré de Dieu, leur histoire là. Pasteur, elle me plaît, tout ça. Ils n'ont pas encore couché ensemble. Mais toi, tu sens dans l'esprit que les deux là, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que le fondement, c'est un mauvais désir. C'est un désir qui est charnel. Et un jour, ils vont se retrouver seuls. Et en fait, depuis le jour du portail, jusqu'au jour où il est venu t'annoncer,
l'allumette est toujours en train de brûler. Il n'a pas encore essayé d'allumer la gazinière. C'est le jour où il va se retrouver seul un soir avec elle. Et qui va regarder à gauche et à droite, et il va voir, il n'y a personne qui nous voit. Quand il va toucher la petite là, ensuite ils vont monter là, et ils vont coucher ensemble là. Il a allumé et la gazinière a pété. Et quand la gazinière pète, c'est pour ça que je dis l'ennemi public, quand la gazinière pète, c'est là où tout le monde sait que le gars était dans la cuisine en train d'allumer la gazinière. Au début, personne ne savait. Quand ça pète, c'est tout le monde qui est au courant ensuite. Tu me suis? Moi, je t'assure que cette histoire-là. Donc, tant que le feu de la convoitise reste allumé, le péché n'est pas loin. Le péché n'est pas loin. C'est quand il va amorcer sérieusement là, et qu'il va vouloir mettre le feu, c'est là que ça ne va pas aller. Donc, quand la convoitise est née, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éteindre le feu pour vaincre le désir charnel. Il faut éteindre le feu vite. C'est pour ça que quand tu ressens des trucs qui sont montés et tu sais que c'est pas bien, tu sais que c'est le péché, Dieu dit, éteins ça vite. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connecté à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye.